Hi, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo wish list. Donc, en fait, je vais vous présenter mes 10 envies un peu du moment. Donc, c'est parti, let's go! Parfum. Donc en parfum, je souhaiterais m'acheter Empire de chez Paco Rabanne. C'est le parfum que j'ai eu en échantillon à Noël et je l'ai testé et je l'adore vraiment. C'est une petite, comme un petit diamant et il est rose et il sent trop trop bon. Donc après, en deuxième parfum, c'est le Bella de Nina Ricci. Donc celui-là, en fait, ce que j'adore, c'est pareil, je l'ai eu en échantillon. Je suis désolée, je dois faire une allergie ici. Donc celui-là, le Bella Nina Ricci, je l'ai eu en échantillon. Et je trouve qu'au niveau pour l'été, il sera parfait. En fait, je trouve qu'il sent l'été, la fraîcheur et tout. Donc il me donne vraiment envie pour l'été. Donc je sais que, en fait, quand j'achète mes parfums, je les achète vraiment jamais au prix fort. Donc là, j'ai un échantillon de parfum que ma belle-sœur m'a donné. Donc je vais le ramener, du coup j'aurai moins 25% sur un des deux. Donc il faut juste que je choisisse soit Empire, soit Bella. Dans ma tête, ça tournicote encore un peu pour les deux. Ensuite, au niveau maquillage, c'est la palette Afterglow de chez NARS. Je trouve qu'elle a des couleurs été dans les tons que j'adore, avec du jaune, du rose, du orangé, et vraiment j'adore. Et je trouve que pour le prix, elle n'est pas si chère que ça. Je crois qu'elle est une cinquantaine d'euros, entre 50 et 60 euros. Enfin voilà, ça vaut, enfin elle est chère, mais voilà. Donc si je me l'achète, j'attendrai d'avoir aussi moins 25 ou moins 10% chez Sephora pour me l'acheter, parce qu'elle me donne vraiment vraiment envie. Et je connais pas du tout les palettes NARS, et il y a aussi son packaging qui me donne totalement envie, tout en relief et en couleur. Donc voilà, un autre truc que j'aimerais avoir, mais que vous allez me dire, mais c'est super connu et tout, c'est un beauty blender. En fait, quand je me maquille, je me suis maquillée jamais avec la marque Beauty Blender. Je me maquille qu'avec des éponges imitation Beauty Blender, et j'aimerais m'acheter un vrai Beauty Blender pour vraiment savoir l'efficacité du Beauty Blender. Et à chaque fois, je me dis, bon allez, je me l'achète, et je dis, bah non, mon éponge, elle fonctionne. Donc voilà, j'aimerais bien vraiment tester le Beauty Blender et voir qu'est-ce que ça vaut. Ensuite, en catégorie chaussures, c'est les Air Force One de chez Nike, soit les toutes blanches, soit les Nike en fait qui sont un peu couleur pastel. Et en fait, cela me donne vraiment vraiment envie, et voilà, je trouve que avec une paire de avec un jean, ou après l'été va arriver, donc un petit short ou une petite robe et tout, je pense qu'ils peuvent faire super joli. Donc soit les, j'hésite entre les blanches ou les colorées, je sais pas du tout. En deuxième paire de chaussures, c'est les Puma, là. C'est les nouvelles Puma qui sont sorties avec des couleurs électriques, super électriques. Donc celle-là, elle me donne envie, en fait. Elle me donne vraiment envie, et voilà. Après, je les trouve super jolies, mais je ne sais pas si j'arriverai à les utiliser, enfin, à savoir comment les porter. Après, je me dis peut-être avec un jean brut, avec un haut blanc et tout, avec cette petite paire de chaussures. Ça peut faire toute une tenue. Ensuite, un sac à main. En fait, c'est pas un sac à main, c'est vraiment un style de sac à main. En fait, je connaissais pas du tout le couturier Jack Mus. Et il y a une youtubeuse que je suis, c'est Mimi Mar, je crois. Et elle parle énormément des sacs à main. Et elle a un sac à main Jack Mus, les tout petits sacs à main. Alors, le Jack Mus, le tout petit, coûte 450 euros. Donc je trouve que ça fait énormément cher pour
un sac à main, mais je pense que je peux en trouver dans des imitations vraiment tout petits. Donc, j'aimerais vraiment un tout petit sac à main. Vous allez dire oui, à quoi ça sert? Il est petit, vous pouvez rien mettre. Mais moi, en fait, je me trimballe maintenant qu'avec. Dans mon sac à main, j'ai mon portable, mon porte-monnaie avec des pièces et mon permis. En fait, maintenant, j'utilise plus. En fait, ma carte bleue, elle reste chez moi. Mon porte-monnaie reste chez moi. En fait, j'ai tout, juste un tout petit porte-monnaie où je mets les pièces et mon portable. Et en fait, quand je sais que je vais aller quelque part et tout, ben là, parce que je retire mon argent au mois. Et du coup, quand je sais que je vais aller quelque part et tout, ben, je prends 20 euros et je mets ça dans mon petit porte-monnaie. Et puis, en fait, voilà quoi. Je ne travaille presque plus avec de liquide, en fait, juste avec de la monnaie. Donc, je trouve ça super joli. Avec une tenue, ça peut faire super classe. Donc, soit en blanc, en noir ou en rose. Voilà. J'hésite entre ces couleurs-là. La collection Camaïeu. J'ai vu la collection Camaïeu quand je suis été. J'étais à un moment de temps, il y avait moins 50% et tout. Là, ils ont fait un petit truc sur les moins 50. Et je suis désolée, je ne sais pas quoi faire, mais mes cheveux sont encore un peu mouillés, je ne sais pas comment les mettre. Et en plus, quand ils ne sont pas lissés, ben voilà, je les aime pas trop naturels. Donc, on en revient où j'étais. C'est la collection Camaïeu. Et je trouve qu'elle est sublime. Alors déjà, ma Camaïeu, c'est un de mes magasins préférés. Alors là, ils ont une collection pour l'été et le printemps qui déchire. J'ai déjà vu une paire de petites chaussures marron avec un talon moitié effet effet safari. Enfin, je trouve ça trop beau et tout. J'ai vu une paire de baskets en or, hein, imitation or en jaune doré qui est magnifique. J'ai vu des robes trop jolies. En fait, je vois bien j'ai vu une robe moitié dans un ton beige avec des petites fleurs resserrées sous la poitrine et un peu évasées. Enfin, dans les tons beige, orangé, marron. Et elle est magnifique et je vois ça trop bien avec la paire de chaussures. Enfin bref, la collection Camaïeu, si vous ne l'avez pas vue, elle est sublime. Alors déjà que c'est un de mes magasins préférés, je craque énormément, mais énormément tout au long de l'année. Mais là, ils ont une collection. Franchement, je crois que je vais craquer. Ensuite, quelque chose que je veux, c'est une veste en cuir noir. Donc une veste en cuir noir. Avant, j'avais une veste en cuir noir que j'ai eu des années, des années. C'était mes parents qui me l'avaient achetée, je l'ai eu des années. Donc elle a cassé et l'année dernière, j'en avais pas. Et là, ça me manque. Donc je cherche une petite veste en cuir noir pour printemps, été et tout. Enfin, pour les demi-saisons qu'il y arrive, quoi. Printemps, été, automne, hiver, automne. Donc déjà en noir et puis après on verra bien les coloris qui vont arriver. Je suis désolée si vous entendez du bruit, je ne sais pas ce qui se passe dans les meubles, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de tout refaire les meubles. C'est le bordel. Enfin bref, passons. Et en tout dernier, donc on est arrivé aux 10 choses de ma liste, de ma wishlist, c'est des grosses lunettes. En fait, je sers des grosses lunettes, vraiment très grosses. Alors, pas en rond, je sais pas, soit des très grosses ronds, soit des moitiés avec des formes et tout, des grosses lunettes pour l'été que, voilà, que j'aimerais m'acheter pour l'été à venir. Donc voilà, ma vidéo wishlist est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à nous dire en commentaire ce que vous désirez pour vos envies, voilà votre wishlist du moment. Je vous remercie parce qu'on atteint les 200 abonnés, donc pour nous c'est énorme, 200 abonnés, sachant qu'on a commencé de zéro, là on arrive à 200 abonnés. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous désirez voir sur notre chaîne, si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir. Donc voilà, pour moi, il y a encore quelques vidéos que j'ai en projet. J'ai énormément en ce moment, énormément de projets de vidéos. Donc j'ai ma liste de parfums à vous présenter, mes parfums de luxe que je vous dis qu'il faut que je tourne absolument. J'ai aussi le jeûne intermittent que voilà, je voudrais vous expliquer en vidéo. Tout ce qui est sur le jeûne intermittent que je pratique. Et il va y avoir aussi un haul mode et beauté qui va arriver dernièrement sur la chaîne, et voilà.
Voilà pour moi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à vous dire votre liste de souhaits sous la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!